Salut à tous, c'est Matt. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une boutique sur Facebook. Donc c'est simple. Vous allez sur votre page, donc moi j'ai pris Phénomène Paranormal. Donc vous allez dans les paramètres. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez voir ceci. Bien sûr, il faut être administrateur de votre page. Vous voyez, il y a marqué modèle anglais. Donc juste là. Et là, vous cherchez dans tous les trucs. Donc vous descendez, vous allez dans ajouter un onglet. Donc vous faites boutique ajouter. Là, la boutique va se retrouver en bas. Donc, il y a un truc qui est simple sur les pages Facebook. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, si vous voulez monter votre boutique, ben, vous pouvez avec la molette. C'est mieux sur un ordinateur. Hein. Vous la montez, vous la montez, vous la montez. Et hop, voilà. Donc, normalement, l'onglet a été ajouté. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Donc, vous allez sur votre propre page. Hop, regardez, l'onglet boutique est là. D'accord, on est d'accord. Donc là, il faut que vous acceptez, vous faites continuer. Ça met un peu de temps. Alors, soit vous pouvez mettre... Alors ça pareil, c'est une différence que je vais vous donner. C'est soit vous mettez un message pour acheter, donc vous mettez un message en gros, ou soit vous avez un site web et vous faites passer sur votre site web. Donc moi, je conseille plus de passer par Messenger que passer par le lien du site. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, bien sûr, nous sommes en euros. Hein. On est français. Donc, pour tous les pays, ça marche pareil. Donc là, ça y est, vous êtes sur votre boutique. Donc là, vous allez ajouter vos produits un par un. Donc, vous ajoutez la photo. Vous pouvez faire même une vidéo. Le nom du produit. Vous expliquez votre produit, le prix, la description. Vous pouvez mettre en vente ce produit et le mettre en stock s'il n'y est pas. Voilà. Et après vous faites ajouter le produit, voilà. Après dans votre boutique pour aller les améliorer, voilà. Donc après dès que les gens ils veulent un produit, ils commandent via Messenger, comme ça vous avez le message. Parce qu'en passant par votre boutique, vous n'aurez pas de message de la commande, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai de vous aider, voilà. Bisous à tous.